On m'a dit de prendre un tramway de mes désirs et puis de changer pour un autre appelé cimetière et de descendre 10 rues plus loin à la station Champs-Élysées. Vous y êtes. Ça m'a tout l'air, tu te fais rouler le pays. Et si tu t'es fait rouler dans le cadre, mon Napoléon, ça veut dire moi aussi que tu t'es roulé. Vous pouvez entrer. Un homme doit d'autant plus s'occuper des affaires de sa femme qu'il a bientôt avoir un bébé. Je regrette qu'il te l'ait dit. Je parle que vous êtes bélier. Oui, les béliers sont forts, énergiques. Ils aiment le bruit et ils adorent casser. Allez. Ça vous dérange si je me mets dans un coin et que je regarde le jeu? Ouais. Ça me dérange. Et donc, vous êtes la sœur de Stella? Voilà. Et des milliers d'années plus tard, il est encore là, Stanley Kowalski, survivant de la guerre. Ce ne sont pas des choses plaisantes forcément, mais... il y a des gens à qui ça arrive parfois. Ils sont fous l'un de l'autre, vous savez. Il y a un type du nom de Shaw qui croit vous avoir rencontré à Laurel. Mais je me dis que non, il a dû se tromper. Parce que ça s'est passé dans un hôtel appelé le Flamingo. Vous êtes un vieil ami de Stanley, n'est-ce pas? C'est l'armée, on s'en fout. Maman, elle est malade. Elle voudrait me voir casé. Tu sais qu'il y a un campement militaire à l'Ouest. Et qu'on a surnommé ta sœur. Le parcours du combattant. Mais elle y a du temps, elle était jeune. Très jeune, elle a eu une expérience qui a tué ses illusions. Si elle venait que sur la piste, pendant que nous dansions, incapable de me contrôler, je lui avais dit. Maintenant, je sais. Je sais, tu me dégoûtes. Si j'étais un homme, c'est qu'il s'est vérifié moi-même. Qu'est-ce que vous voulez? Maman, vous voulez. Épousez-moi, Mitch.